au-delà de la Guyane. Ça c'est, attends, en espagnol, en Guyane ils disent pas hola, c'est les Espagnols qui disent hola, parce que hola de la Guyane, ça, c'est chelou. Qu'as-tu fait comme étude? As-tu arrêté? Est-ce que tu es youtubeur pour le plaisir? Qu'as-tu fait comme étude? J'ai fait des études de rien, rien du tout. As-tu arrêté? Je crois que j'ai jamais commencé même les études, je sais pas si j'ai déjà commencé, non, je pense pas. Est-ce que tu es youtubeur pour le plaisir? Ouais, parce que j'aime bien. J'aime bien, mais. J'aime bien faire des vidéos et j'aime bien partager ça avec les gens qui me suivent. J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. À chaque fois, je suis mort. J'ai deux questions. Ok. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Je l'ai dit juste avant. Est-ce que c'est possible que tu fasses un meet-up à Marseille? Non. Pourquoi je ne peux pas faire de meet-up à Marseille? Parce que la calache. Hein, je vais aller là-bas, je vais faire un meet-up. Je vais me faire calacher les gens de la Castellane, ratatatata. Non, non, frérot. Merci, salut, mais en ensemble, mais de loin. Est-ce que parfois tes vidéos sont réellement ton vécu? Bah oui. Ah oui, il y en a beaucoup. Bien sûr. Évidemment. Ouais, yes. Si vous deviez changer votre nom, quel serait votre nouveau nom? Oh, j'aurais fait un truc de ouf. Je crois que je me serais appelé Dumbledore. Ou un truc chelou comme ça, ouais. Tu mesures combien? Je mesure 2m60. Tu as cru, je sais que tu as cru. Non, je rigole, je fais 1m80. Bon, allez, 1m70. Bon, allez, 1m60. Bon, non, sérieusement, je fais 1m80. Tu aimes le Barça ou Madrid? Madrid, sans hésitation. T'as pas le droit de me poser cette question parce que tu as vu ma vidéo où je parlais du Real Madrid. Tu n'as pas le droit. Je suis pour le Real Madrid. J'ai 30 pommes. Mon petit frère en prend la moitié. Ma mère en prend 5. Combien il m'en reste? Ah, je sais pas, tu te démerdes avec ton frère, je sais pas, tu vas avec ton petit frère ou ta mère. Je sais pas, tu me dis ma mère elle a pris, mon frère, après ils ont pris tes pommes, ils te les rendent. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Alors là, frère, un gros ours quand même, c'est balèze, il va mettre une gifle, je vais tomber dans les pommes, il va me grailler en 2 secondes. Les abeilles ils vont me piquer, je vais courir, ça va faire bzz, 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 bzz. Choisis les abeilles. Je préfère me faire piquer avec un peu de bise que tarte. Je tombe dans les pommes et me bouffe pour minuit. C'est mort. Tu fais quoi à part les vidéos? Je fais les photos. Aimes-tu chanter ou danser? Danser, parce que je danse bien. Enfin, je danse bien, c'est un grand mot. Je vais vous montrer. Alors, ton joueur préféré dans l'équipe nationale Algérie? N'Golo Kanté. Parce que j'aime bien cet Algérien, N'Golo Kanté, c'est un Algérien un joueur algérien que j'aime beaucoup. Non, franchement, mon joueur préféré dans l'équipe nationale d'Algérie, Mahrez. Riyad, Mahrez. Pourquoi tu ris jamais? Pourquoi la vache qui rit, rit? Pas parce qu'on lui fait des guilis. Je sais pas. C'est quoi ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est la fois où je suis parti dans un magasin avec des potes à moi. Ils ont tous pris des trucs à l'intérieur, ils mangeaient, tout ça, ils étaient là, ils bouffaient tout. Moi, j'ai rien pris. J'étais un mec gentil, un mec bien, un mec droit. Quand on est sorti du magasin, le vigile, pardon, il nous a arrêtés. Hein, ils ont appelé nos parents et je me suis fait défoncer la gueule. Alors, j'aimerais bien revenir en arrière pour tout manger avec eux. Comme ça, au moins, je ne me fais pas défoncer la gueule pour rien. Et là, je me suis fait défoncer la gueule pour rien. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir mangé. J'en perds les mots tellement les. Tu fais quoi pour avoir de l'inspiration? Alors c'est facile frérot, je t'explique. Tu fais. Là t'inspires. Là l'inspiration arrive. Et je pense que si t'inspires pas, tu meurs. Donc voilà, je te montre comment on inspire. Si tu as 1 million de dollars, tu vas faire quoi avec? Bah j'ai pas 1 million de dollars. Non, je rigole. Si j'ai 1 million de dollars, je pense que. Bah voilà. Hein, je les donne à mes plus, je donne beaucoup, la plupart de mon argent à mes parents. Voilà, je mets bien mes parents au maximum. Et quand ils seront au maximum, je prends une petite partie et je me fais plaisir. Tu regardes des séries? Si oui, dis-nous tes préférées. Oui, je regarde des séries, bien sûr. Ma série préférée, bon, on va pas se mentir. Moi, pour moi, la best of the best of the best, c'est Prison Break. Mais en ce moment, je dirais La Casa de Papel, j'aime beaucoup. Walking Dead, je kiffe. Viking, j'aime beaucoup Viking aussi. Ragnar Lothbrok. Et viendrais-tu un jour à l'île de la Réunion? Ouais, je viendrai
quand vous aurez fini de faire votre réunion, je serai là. Voilà, quand on me dira que voilà, ils ont fini leur réunion, tu peux venir, je viendrai à la leur réunion. Mais pour l'instant, vous êtes toujours en réunion, donc je préfère pas rentrer, tu vois. Où trouves-tu les idées pour faire tes vidéos? Dans mon cerveau, je crois. Pourquoi t'es chauve? Pourquoi je suis chauve? Pourquoi je suis chauve? Pourquoi suis-je chauve? Bah alors, je vais te poser une question. D'abord, tu me réponds et après, je te réponds. Pourquoi t'es myope? Pourquoi tu es myope? Après, je te répondrai, je te dirai pourquoi je suis chaud. Alors, ton joueur préféré? Mohamed Salah. As-tu une phobie? Bien sûr que j'ai une phobie. Évidemment. Évidemment que j'ai une phobie. La phobie de l'avion. L'avion. C'est impossible que je prenne l'avion. Même si tu me dis, ouais, viens, t'inquiète, monte dans l'avion. Il y a Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Vendetta, Michael Schofield, Michael Abbess. Je monte pas dans l'avion, c'est mort. De quelle origine es-tu exactement? Je suis marocain, algérien. Ton humoriste préféré? Mon père. Ouais, c'est mon père, mon humoriste préféré. Mon père, il me fait rire. Il fait trop rire, mon père. Bon, bah, on s'arrête là pour les questions. Parce que, voilà, je voulais pas en faire trop non plus. Parce qu'après, on se serait jamais arrêté si j'aurais fait toutes les questions. Donc, j'ai pris quelques questions au hasard. Enfin, au hasard, un petit peu, je les ai choisies un petit peu. Celles qui m'ont le plus intéressé. Et bah voilà, merci d'avoir posé vos questions, merci d'avoir participé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui like, qui lâchent un like, ça fait super plaisir. Merci à tous, vraiment, vous êtes au top. Donc n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. Prenez soin de vous, à bientôt, big up.